Salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Vendredi 17 mars 2023. Donc je ne suis plus monté sur une moto depuis le mois de juin. Je me suis pas remis en selle. Donc je vous explique pourquoi. En fait, j'ai crashé la 890 le 12 juin l'année dernière. Je me suis fait assez mal. Ça aurait pu être pire, hein. Aussi bien c'est peut-être fini, mais je m'en sors bien. Donc en fait, j'ai tenté un dépassement. J'aurais dû rester derrière. Même si j'étais en droit de faire ce que j'ai fait, parce que c'était une ligne discontinue sur une voie prioritaire, mais il y avait un petit carrefour, j'avais trois voitures devant moi. Et pendant que j'étais en train de dépasser, la première des trois voitures a tourné à gauche. Elle avait son clignotant, il n'y a pas de souci. Et moi j'ai eu beau freiner, faire tout ce que j'ai pu, j'ai pris la voiture, j'ai fait un beau vol plané, je suis allé atterrir. Heureusement il n'y avait pas d'obstacle, je suis allé atterrir dans le fossé, bien plat, dans les herbes, mais je me suis quand même bien fait mal. 5 côtes cassées à droite, l'omoplate droite cassée aussi. Tout le muscle du bras droit au niveau de l'épaule a été étiré, donc je ne savais plus lever mon bras. Une phalange au majeur de la main gauche cassée aussi. Et le plus handicapant, c'est 3 tendons coupés au pied droit, les releveurs d'orteils sur le dessus du pied. Donc je pense que quand je suis entré en collision avec la voiture, les tôles se sont forcément froissées et mon pied est passé par là pendant le vol plané. Ma botte a été coupée net et 3 tendons sont passés avec. Donc là, ben, je me suis fait opérer, ça a été bien refait. Donc là, ça fait depuis le mois de juin, donc on va dire ça fait 8-9 mois, ben, j'ai récupéré à 99,9%, il n'y a pas à se plaindre, tout va bien. La KTM, elle est foutue. Je vais pas la faire réparer, le châssis est plié, il a fait son boulot le châssis, il a bien résisté, mais il a fait un peu l'accordéon. Donc déjà rien que ça, le moteur, la pompe à eau est cassée, la fourche est tordue, la jante avant est complètement foutue, les étriers de frein, bah, ils sont cassés. Enfin, il y a beaucoup de frais dessus, le pot il est complètement écrasé, il est foutu aussi. Salut les gars, bah, c'est cool du motard, et 2,790. Donc voilà un peu la petite histoire. Donc j'étais bien parti dans l'optique de reprendre exactement la même. Je me dis je vais reprendre une 890. J'étais vraiment parti là-dessus, j'adorais cette moto. Pour toutes ses qualités, puissance, couple, maniabilité, légèreté, tout ce qui va avec. Et puis Triumph nous a sorti le modèle 2023 de la Street Triple RS. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là. Là ils ont fait quelque chose de top. Parce que j'ai toujours bien aimé les Street Triple. Et avant d'acheter la 790, j'avais déjà beaucoup hésité avec la Street Triple RS et pour finalement aller sur la 790. Mais ici ils ont sorti des coloris du feu de Dieu. Le rouge ici il est magnifique, franchement. Et ils ont encore fait quelques petites améliorations qui fait qu'elle est vraiment elle est vraiment parfaite comme je l'aurais voulu quand j'avais essayé l'ancien modèle. Et je me suis dit allez, KTM, j'en ai fait le tour. Donc je disais KTM, j'en ai fait le tour, je les ai pratiquement toutes essayées. C'est des super bécanes, j'en étais super content, mais alors ici, j'ai flashé sur le modèle 2023 de la Triumph, vraiment super bécane, elle m'a tapé dans l'œil, j'adore, j'ai rien à redire, franchement, niveau gueule, j'ai rien à redire, c'est top. Alors j'avais un peu peur, hein. Je sais bien que le 3 cylindres va nickel sur la Street Triple maintenant, habitué à un bon gros bic KTM bien coupleux. Mais bon, franchement je suis pas déçu, ça va nickel. Bon ici je suis en rodage, je viens d'aller la chercher, là j'ai fait 20 km. Donc pendant les 1000 premiers kilomètres, pas dépasser 5-6 000 tours, ne pas utiliser le shifter. Donc on va faire ça proprement. Faire 1000 km, j'irai faire la vidange et puis après progressivement je pourrais commencer à la faire aller un petit peu. Donc voilà, j'avais toujours regardé cette moto-ci de loin et j'étais braqué KTM et voilà, ici franchement j'ai pas hésité une seule seconde quand j'ai vu le modèle 2023, pas une seconde. Je me suis dit ça va, c'est fait, je vais pas racheter de 890, c'est pas possible. Et quelque part j'avoue que ça m'embêtait un peu de remettre 13 000 euros sur la table pour acheter la même bécane, même si je l'adorais. Mais voilà, celle-ci a fait que j'ai tranché d'un coup.
Et franchement, pour le moment, bon voilà, 20 km, bon j'avais déjà essayé les anciens modèles, donc je savais à quoi m'attendre, mais je regrette vraiment pas. C'est toujours aussi vélo, on reste dans des poids similaires à la 890. La 890, je pense que c'était 184 kg tout plein fait, celle-ci c'est 188, donc ça change rien du tout. Moi je suis petit poids plume, je fais 65 kg, donc c'est vraiment le combo légèreté, c'est nickel. 1m73, je touche des deux côtés, bon pas du plat du pied parce que le modèle 2023 a la selle plus haute que les anciens modèles. Ici je suis à 836 mm donc je suis même plus haut que sur la 890 qui était déjà je trouve assez haute pour moi. Mais j'ai de la chance que c'est une moto qui est quand même assez fine à l'assise, donc il n'y a aucun problème. Je touche des deux côtés, la moitié du pied, donc c'est vraiment pas un souci pour moi. Mais bon, c'est quand même malheureux d'être limité à 5000 tours quand on peut aller en chercher 13. Mais bon, on verra après les 1000 premiers kilomètres. Alors dites-moi en commentaire, vous êtes peut-être abonné à ma chaîne parce que vous êtes fan aussi de KTM. Il y en a peut-être qui vont crier au sacrilège que je sois passé chez Triumph. Maintenant, c'est pas dans 20 ans que je dois commencer à me dire ah tiens, je changerai bien pour acheter une Triple RS quand j'aurai 60 balais. Non, non, non. Je me dis c'est maintenant, il faut essayer, je regrette pas, franchement. On verra à l'usure, je tourne pas le dos à KTM pour le futur, on va voir ce qu'ils vont nous sortir, hein, mais ici franchement, et alors le 3 cylindres, oh là là, quelle onctuosité, franchement, la boîte de vitesse, c'est nickel, franchement, pour le moment, rien à redire. Alors la position de conduite, je suis un peu plus sur l'avant que sur la 890. Ils ont élargi un peu le guidon sur ce modèle-ci. Et il est un peu plus loin. Sur la 890, j'étais vraiment comme ceci. J'étais vraiment bien droit, le dos bien droit. Ici, je suis un peu penché sur l'avant. C'est pas plus mal. Je pense pas que ça va être un inconfort sur de longues balades. Ici, après 20 km, forcément, c'est difficile de se faire une idée. Mais pour le moment, aucune gêne. C'est nickel. Les pieds, je pensais que je serais plus haut, que je serais plus en crapaud, en fait non, pas vraiment. Donc comme je vous dis, je fais 1m73, mais ça pose aucun problème. Je suis vraiment bien installé. J'ai l'impression d'être plus dans la moto que la 890, où j'ai vraiment l'impression que c'est plus une conduite super mode que ceci, forcément. Donc je suis bien installé. Oh, quelle souplesse ce moteur, quoi. La KTM en 4 à 40, c'était... ça broutait comme c'était pas permis ici. Ouais, c'est toujours aussi vélo. Je n'ai rien perdu en maniabilité par rapport à la 890. Que du contraire, à la limite, c'est peut-être même encore un poil mieux. La moto a un empattement plus court. Elle est vraiment plus ramassée et ça joue bien sur la maniabilité. C'est vraiment... ouais, elle est super agile. Même la guidée du bassin, c'est vraiment très facile. Je crois que ça va être un plaisir. Je sens que je vais vraiment pas regretter. Franchement, ça va être top. Vivement que je puisse ouvrir la poignée seulement. Mais la boîte de vitesse, elle est d'une souplesse. Je dis pas que la boîte de la 890 était rugueuse, mais il fallait vraiment y aller franco avec le pied pour passer les vitesses. Ici vraiment c'est tout doux, tout en douceur. Je trouve que la course du levier est plus courte. Putain, qu'est-ce qu'il a à me coller comme ça lui. Voilà, 5000 tours. En rodage, je suis à 100 km/h, ça va. Donc ça va quand même pas être un rodage trop chiant, il y a quand même moyen de prendre des vitesses correctes. Bon, on va faire un petit coup le nez blond, un petit sinueux, j'ai encore eu pratiquement que de la ligne droite pour le moment. Par contre, j'ai une camionnette là qui bourre à mort, je suis en rodage, j'aurais bien voulu y aller cool. En plus ici, on est dans la vallée, la route risque d'être piégeuse par endroits, pas bien sèche. Puis bon, le pneu il a 25 km donc il n'est pas encore bien rodé, faut vraiment que j'y aille mollo. Bon, aujourd'hui c'est une belle journée, hein. C'était pas évident de trouver une belle journée ces moments-ci.
pour venir chercher la moto. Il me tenait vraiment à cœur d'aller la chercher dans de bonnes conditions, pas de pluie et compagnie. Donc ici aujourd'hui il fait correct. Il fait une quinzaine de degrés. Sinon, ben, niveau caractéristiques de la moto, donc 3 cylindres, 765 cm3. Donc j'y perds un peu au change niveau coupe par rapport à la 890. J'avais une centaine de newton mètres de coupe, je crois que c'était 99. Ici je suis à 80, donc c'est déjà pas mal du tout. Par contre je gagne un peu de chevaux, maintenant ils sont au perché, il faut aller les chercher à 12 000 tours. Donc ça on verra ce que ça donne après le rodage. À mon avis, de la patate en haut il doit y en avoir, ça peut être sympa. Bon, les poules, vous êtes gentils, vous traversez pas la route, merci. On fera quand même un petit arrêt un peu plus loin pour faire le tour de la moto. Maintenant, Street Triple RS, tout le monde connaît. Mais je vous dis, le coloris 2020, enfin les coloris même, parce que la jaune, je la trouve magnifique aussi, l'édition Moto 2, superbe. Et alors ce rouge, magnifique. J'ai vu quelques motards aujourd'hui, on voit bien qu'il refait bon, parce que là ça fait deux semaines qu'on se traîne un temps pourri. Un jour c'est chaud, un jour c'est froid, il flotte. On a encore eu de la neige ben, pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc, et ici on passe carrément en une semaine de l'hiver au printemps. C'est cool, en espérant que ça dure. Ah, le petit son du trois pattes, ça m'avait manqué. Ah bah tiens, on va s'arrêter ici pour faire le tour de la moto, tiens, comme ça c'est fait, il y a un petit parking. Voilà, on va se poser ici, 2 minutes, tranquillou, hop, le neutre, super facile à trouver. La béquille par contre, il n'y a pas d'ergo, hop, voilà, cut. Ben voilà la bébête, perso je la trouve absolument magnifique, et ce rouge, ça lui va tellement bien. Voilà, on fait vite un petit tour. Bon, je vais pas vous réciter la fiche technique Triumph Street Triple, je crois que tout le monde connaît, ça sert à rien de commencer à énoncer tout. Donc comme option, ben, j'ai seulement pris deux choses, porte-plaque court, indispensable, ça lui dégage bien à l'arrière. J'ai fait retirer les cale-pieds passagers vu que c'est un capot de selle et que je roule tout le temps tout seul, donc ça sert à rien d'alourdir l'arrière. Et la deuxième option que j'ai prise, c'est les poignées chauffantes. Ici en Belgique, je crois que ça peut servir. Donc, en gros, voilà. Le seul petit reproche que je pourrais faire, comme beaucoup le font, c'est le tableau de bord. Le graphisme n'est pas terrible. Il y a toutes les infos, mais c'est pas super lisible. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire chez Triumph. J'adorais par contre le tableau de bord TFT de la 2017. Bon, je crois que c'est le même. C'est quasiment le même. Sauf qu'il y avait le contour ici en haut, en demi-cercle, comme classique, quoi. Et ça rendait super bien, avec la vitesse au milieu. Enfin, c'était... Ici, bon, il y a 4 affichages différents, mais il n'y en a vraiment aucun qui me branche, en fait. Donc, je verrai bien. Peut-être qu'ils feront une mise à jour pour peut-être en avoir d'autres. Je sais pas, j'espère, parce que, bon, ça fait le boulot, hein, mais c'est pas ouf, je trouve. Mais bon, allez, soit, c'est parti. Ça m'énerve de ne pas pouvoir aller plus haut. Mais bon, ça promet. C'est vraiment vers 7000 tours qu'elle commence vraiment à envoyer la sauce. Donc les 80 Nm de coupe, je pense que c'est à 9000 tours et les 130 chevaux à 12000. Donc c'est vraiment au perché. Mais bon, le couple, il est déjà pas mal du tout ici dès 4000 tours. Si j'ouvre en grand, ça va, c'est nickel. Franchement.
Ouais, c'est nickel, ça va le faire. Non, c'est un caractère moteur totalement différent, forcément, du bicylindre. Mais c'est le meilleur des deux mondes, du couple et de la longe. Sans les inconvénients du 4 et du 2, c'est sympa. Ouais, comment ça? Ah, on va faire le petit test. Allez, 50 en 6ème. Là, je crois que la KTM, elle calait, limite. Ici, 50 en 6. Ça broute pas. Je remets, ça repart, c'est incroyable. Ce moteur, c'est un vrai élastique. Un vrai élastique, c'est ça que j'aime bien. J'adore LB aussi, surtout pour son côté gros couple. Mais ici, la plage d'utilisation, je dis de 3000 tours jusqu'à 13000, le moteur il donne, c'est top. Dommage que les chevaux sont si haut perchés, mais déjà à mi-régime, ça envoie bien. Vivement de pouvoir tirer un peu plus. Eh ben franchement les gars, un vrai plaisir. Bon allez, petite portion de sinueux. Un vrai vélo, super agile. Je sens que je vais me faire plaisir avec ça. En tout cas, je n'y perds pas au change avec la KTM. Elle est aussi maniable. Le moteur, c'est une toute autre philosophie, mais j'adore ça. La course du levier de vitesse, elle est très courte, c'est vraiment génial. Ça passe tout seul. Le petit sifflement de la boîte à air, c'est génial. Vraiment un beau petit son, en tout cas d'origine, vraiment nickel. De toute façon, le pot d'origine, il restera dessus. Il n'y a rien qui cloche sur cette bécane. Pour moi, tout est parfait. Le pot est bien intégré, il a une bonne finition. C'est pas comme la boîte de conserve qu'il y avait sur la 890 où j'ai mis la crape parce que c'était juste pas possible. Mais ici, ça va rester comme ça. En plus, ce qu'ils ont fait sur le modèle 2023, c'est que le pot et le catalyseur sont intégrés en une pièce. Donc on ne sait plus mettre un slip-on dessus, il faut absolument mettre la ligne complète. Donc on arrive tout de suite dans des prix et... En laissant comme ça, au moins je suis tranquille. Je suis homologué, ça fait pas plus de décibels que ça ne doit en faire. J'aurai pas de problème si je me fais arrêter, contrôler. C'est parfait. C'est bien, je retrouve déjà des bonnes sensations. Ça fait plaisir. Ah ouais, je vous avais pas raconté, vous aurez pas des images de l'accident parce que je ne les ai pas, j'ai même pas pu moi-même les voir, donc parce que je soupçonne fortement qu'on m'ait piqué ma GoPro pendant que j'étais couché par terre dans les herbes juste après l'accident. Il y avait quelques personnes autour de moi en attendant que l'ambulance arrive et on a tout retrouvé, le boîtier de la caméra, la prise micro. Dans un rayon de 2-3 mètres autour de moi, on a retrouvé tous les objets que j'avais en fait. Sauf la GoPro. Donc à mon avis, quelqu'un l'a pris pendant que j'étais par terre. Avant que les secours n'arrivent, ça me fait bien chier. Donc il y a des gens, ils viennent même pas te demander comment ça va. Et toi, t'es en train d'agoniser dans le fossé. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de piquer ta caméra quoi. Enfin soit, c'est pas la caméra en elle-même qui m'emmerde. Hein. C'est une GoPro 7 qui avait déjà quelques années. C'était vraiment... j'ai même pas les images de mon crash quoi. Je peux même pas voir si vraiment c'est moi qui ai fait une erreur ou... Enfin, je peux rien voir, ça m'emmerde. Parce que bon, comme je vous dis, c'était une route comme ceci, avec une ligne discontinue, j'étais tout à fait en droit de dépasser, c'est une voie prioritaire, il y avait un petit carrefour, et voilà, la personne a tourné pendant que je dépassais.
Moi je lui en veux pas, je l'aurais pas su me voir. Tout s'est passé tellement vite. Donc voilà, pour moi c'est du pur 50-50 quoi. Mais les images, j'aurais quand même vraiment bien voulu les avoir. Alors à la personne qui m'a piqué la caméra, je te fais un gros fuck. Mais bon, voilà. Tant pis. Vraiment génial ce petit moteur. Vivement qu'elle soit rodée. Placement, vous pouvez corriger une trajectoire comme vous voulez, elle se met vraiment mais nickel. Aussi maniable que la 890, vraiment. À part vraiment le caractère moteur qui change en passant du 2 aux 3 pattes, c'est normal, la maniabilité, j'ai rien perdu au change là. Vraiment exceptionnel. 6000 tours, 110, enfin, c'est pas les plus hauts. 110, 120. Ouais, donc je peux prendre l'autoroute, mais je peux pas plus quoi. Eh bon, 1000 km, ça va être vite fait. Hein. Si le temps veut s'y mettre, enfin si le temps veut se mettre du bon côté, ça peut être vite fait. Comme ça, je peux faire mon entretien des 1000 avant que vraiment les beaux jours ne commencent, qu'il n'y ait pas trop de monde en concession, j'aurai un rendez-vous assez rapidement. Et après, c'est parti. Et je vous dis, pour la GoPro, on a cherché, on est retourné le jour même, le lendemain, le surlendemain. J'ai plusieurs collègues qui sont arrêtés pour regarder, chercher après. Ils ont ratissé dans un rayon de 100 mètres à la ronde. Donc je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle se soit perdue comme ça. C'est pas le dépanneur qui a remorqué la moto, je lui ai sonné, c'est pas lui qui a retrouvé la caméra, c'est pas la police qui l'a, c'est pas l'ambulancier, j'ai demandé aussi à l'hôpital. Donc pour moi c'est, on me l'a piqué, j'en suis convaincu, vraiment convaincu. C'est vraiment malhonnête de faire ce genre de choses quand quelqu'un est en train de, excusez-moi, de crever de la gueule dans le fossé, c'est vraiment honteux. Enfin bon, je vais arrêter de me lamenter là-dessus, depuis le temps que ça s'est passé l'accident, je m'y suis fait, j'aurai pas les images, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, on passe à autre chose. Ok, je vais un peu essayer les poignées chauffantes, j'ai pas encore essayé, il fait pas si froid, il fait 14,5, donc à la limite je peux m'en passer, mais au moins, on va voir ce que ça donne, et en combien de temps ça chauffe. Bon là je l'ai réglé sur niveau 3 au max, on va voir, voilà, je commence à le sentir, donc j'ai fait quoi, 500 mètres, ça va, c'est assez rapide en chauffe, c'est cool. Ouais, ça chauffe pas mal, c'est agréable. Bon, quand il fera 0, 1 ou 2 degrés, ça compensera pas le fait que le dessus de la main sera bien ventilé, donc sera complètement caillant. Mais pour la paume de la main, c'est assez sympa. Salut. Il y a quand même pas mal de motards qui roulent aujourd'hui. Maintenant, j'avoue que c'est vraiment un des premiers jours de l'année, enfin en tout cas de ce mois-ci, du mois de mars où il fait roulable. Je crois qu'il fait encore bon demain, donc je crois que je vais en profiter pour aller faire une toute longue belle grande balade, manger des kilomètres. Essayer d'être le plus vite possible à l'entretien des 1000. Maintenant les gars, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préférez la 890, si vous trouvez que j'ai fait une erreur en prenant la Triumph, ou si vous trouvez que j'ai fait un bon choix, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Eh ben les gars, je regrette vraiment pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je regrette vraiment pas. Tant je pensais pas acheter un jour autre chose qu'une KTM, je vous jure, mais c'est comme ça. M'a tapé dans l'œil et c'est la passion qui parle. T'as le moteur quoi, là je suis à 30 en 3.
Ah, et ça repart tout de suite, c'est... Ça pour ça, franchement, là, je préfère celle-ci, je préfère le 3 pattes. Quelle souplesse. Quel élastique. Vraiment, ça, j'adore. Bon, j'ai fait 81 km depuis que j'ai fait le plein tout à l'heure et je peux encore en faire 168. Donc ça me ferait, ouais, 250 km. Ils m'en annonçaient presque 300, mais ça, j'y croyais pas. J'ai pas encore regardé la conso. Je vais pas trifouiller dans les menus maintenant parce que je les connais pas encore bien, donc je regarderai ça. Mais ils annoncent, je crois que c'est 5 litres ou 5 litres 1, donc c'est un tout petit peu plus que la KTM. Je tournais environ à 4,5 je crois avec la 890 pour un réservoir de 14 litres. Ici ils l'ont raboté un peu par rapport à l'ancien modèle, ils l'ont ramené à 15 litres parce qu'ils ont, ils ont un peu resculpté. Maintenant je trouve qu'il est plus beau, mais malheureusement on perd de 2,5 litres. Ah bon, moi ça me tracasse pas plus que ça. Voilà, déjà 250 km d'autonomie, c'est plus que correct. Il n'y a pas de souci. Bon, vraiment bien les poignées chauffantes. Là. 14 degrés, je suis au niveau 3, donc elles chauffent au max, mais je me demande si c'est même pas un peu trop fort. Voilà, je vais le mettre sur 2. On va voir. En tout cas, franchement, je me demande comment j'ai fait pour me passer de ça pendant 8 ans. C'est bien pratique. Quand il fait encore un peu plus froid, ça doit vraiment sauver la vie. Bon, allez, je vais vous laisser les gens. C'était vraiment une petite vidéo rapide de présentation de ma nouvelle bécane. Comme ça, vous savez un peu pourquoi il n'y avait plus de vidéos sur la chaîne depuis un long moment. Mais normalement, je suis de retour. Je vous promets que je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Peut-être même déjà une nouvelle demain, vu qu'apparemment ils annoncent encore du beau temps, donc je vais essayer d'aller faire une bien bien longue balade pour faire quelques kilomètres, hein. Essayer de se rapprocher le plus vite possible des 1000 pour aller faire l'entretien, pour pouvoir un peu lâcher les chevaux. C'est bon, c'est devoir arrêter à 5000 quand c'est là qu'elle commence à envoyer, c'est frustrant, donc on va essayer de vite faire ça. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Ciao, ciao.